Représenter mon pays, faire la fierté des Ivoiriens, bah, c'est un rêve du gosse. Hein. J'aime Chelsea, j'aime le jeu, en Angleterre, là-bas, l'ambiance, tout. Et c'est Chelsea qui supporte là-bas, donc il est parti là-bas. Je veux être un grand club, mais on doit commencer tout en bas d'abord. La méthode Jean-Marc Guillou, c'est simple, c'est recruter les enfants dans le bon âge, hein, vraiment à 12, 13 ans. Ah, la sélection est drastique, comme vous dites, on prend généralement un joueur sur 1000, donc on est très, très exigeant, donc on doit avoir beaucoup de joueurs pour en recruter 6 ou 7. Quoi. Si on leur met des chaussures, des chaussettes, des protège-tibias, c'est comme si tu vas faire un footing avec un sac au dos de 5 kg. Quoi. Donc on enlève ça, c'est une contrainte en moins. Ils sont plus légers, donc ils peuvent s'entraîner plus. Après, ça a beaucoup d'avantages. Tu développes un meilleur toucher de balle, tu développes de meilleurs appuis. Jouer pieds nus, c'est de la micro-proprioception en permanence. Il y a moins de blessures, le jeu va plus vite. J'ai obtenu les chaussures au bout de 2 ans, 3 ans par là. Parce que c'était vraiment difficile avec le soleil. On s'entraîne ici à 15h, il fait beaucoup chaud. Donc quand j'ai eu les chaussures, j'étais ému. On a fait une fête même avec les amis. Si vous avez le 3e degré, vous avez les chaussures, vous avez droit à une paye. Une paye de 20 000 si vous n'avez pas encore l'âge de 16. Vous voyez, donc c'est un peu un privilège. Quoi. Hakim, reprends. C'est pour 2093. Nous, on était les premiers. Et donc, on a commencé les pionniers au fur et à mesure. Bah, progressivement, on a fait tout ce que ces gamins-là font aujourd'hui. On était comme une famille. Ils nous ont inculqué les valeurs, l'amour du jeu, l'amour du foot, la philosophie GMG. Et aujourd'hui, je suis chanceux d'être parmi ces éducateurs-là pour apprendre à nos petits frères aussi de pouvoir rêver aussi. Tout le monde m'appelle maman, la maman de l'académie. J'occupe enfin la place des mamans des enfants puisqu'ils ne sont pas avec leur maman. Et tout ce qu'une maman peut faire, je gère pour eux. Elle s'occupe de nous. Elle s'occupe de nous à l'académie. Parce que mon maman n'est pas là. Elle donne à manger tout ça. Elle représente ma mère. Quand elle est malade, elle soigne. Quand elle a besoin de quelque chose, elle demande. Elle l'entend. Je voudrais bien que eux tous réussissent, bien que je sais que ce n'est pas eux tous, mais je voudrais qu'ils soient à haut niveau. À haut niveau, c'est mon souhait. Mmh.